Les scouts nous portent, nous transportent, nous font danser comme le feu. Enfin tu es animateur, du temps, du talent et du cœur. Et tu t'engages bénévolement à transmettre tout ce que t'as dans le sang. Parfois c'est vrai, c'est la gagne. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre actualité du samedi. Alex, tu fais quoi là? Ben, je présente le journal. Mais on fait un direct scout ce soir. Allez, va te changer. Bonsoir à tous. J'espère que vous nous entendez bien, que vous nous voyez bien. On est très heureux de vous retrouver ce soir. On a le chat juste en dessous, donc je vous laisse me dire si vous nous voyez bien, si vous nous entendez bien. Merci à vous d'être ici ce soir. On est très contents de vous retrouver pour cette soirée en live ici sur YouTube, sur la chaîne de nos pionniers Caravelle. J'espère que vous avez pris le temps de vous abonner, d'activer la cloche. Ce sera pour eux. Vous pourrez découvrir les vidéos qu'ils ont postées. C'est les premières d'une longue série. On compte sur vous pour le faire tout à l'heure, dès la fin de cette soirée en live. Pourquoi une soirée en live? D'habitude, vous le savez, on a coutume de se retrouver tous ensemble dans la salle des 4 tours pour partager cette grande soirée. Malheureusement, cette année, compte tenu des conditions sanitaires, on n'a pas pu le faire. Donc, on a souhaité quand même vous présenter ces diaporamas des camps 2020. Pour ça, avec moi, j'ai la chance d'avoir Alex, chef d'unité Scout Guide au sein du groupe. Et puis, on est très content de vous partager ce live tous les deux. On va passer à peu près 1h30 ensemble. J'espère que vous êtes bien installés dans votre canapé avec un bon verre d'eau, une bonne boisson fraîche. On a vos messages sous le nez qui défilent. Bonjour à la famille Chantreau, bonjour à la famille Poitou, à Titouan, à la famille Marchand, à la famille Janta, à Oriana, à Maxence. Voilà, n'hésitez pas surtout à nous solliciter dans le chat. On a tous vos messages qui défilent. On compte sur vous pour rendre cet événement vivant. Et puis, on va démarrer notre soirée. Et surtout, comme on vous l'a dit, n'hésitez pas à réagir avec le chat, comme ça on pourra interagir avec vous et ce sera beaucoup mieux. Sans plus attendre, on va commencer cette soirée. On a souhaité d'abord vous faire un petit récapitulatif de ce qui s'était passé avant de partir en camp. Un récapitulatif de l'année 2019-2020. On a préparé un premier diaporama qu'on va vous laisser découvrir tout de suite. Je m'en souviens, j'avais 6 ans, je comprenais pas ce que voulaient mes parents. Quand ils m'ont dit, mon enfant, va chez les scouts, c'est important. Moi je flippais grave au début, je sortais de chez moi de mes habitudes. Mais la ribambe, elle m'ouvre la porte, et au final le rire m'emporte. Ensemble on est mieux, on a du mal à se dire adieu. Les scouts nous portent, nous transportent, nous font danser comme le feu. Ensemble on est mieux, on a du mal à se dire adieu. Les scouts nous portent, nous transportent, nous font danser comme le feu. Puis je me rappelle de mes 8 ans, chez les louveteaux tout était différent. Je découvrais la vie au grand air, les jeux dans le bois, la vie sans manière. On court partout, on fait les fous, on rit, on chante comme des loups. Avec la meute je deviens plus grand, la force du loup c'est le clan. Du mal à se dire adieu. Les scouts nous portent, nous transportent, nous font danser comme le feu. Arrivé chez les éclaireurs, plus personne ne me faisait peur. Quand je suis en bande avec mes potes, je me sens plus fort même pour la totte. On vit ensemble et en patrouille, on devient les rois de la débrouille. On construit même nos pilotis, à bout de bras et d'énergie. Ensemble on est mieux, on a du mal à se dire adieu. Les scouts nous portent, nous transportent, nous font danser comme le feu. Ensemble on est mieux, on a du mal à se dire adieu. Les scouts nous portent, nous transportent, nous font danser comme le feu. Puis viennent les pies
et leurs envies d'aventure et de fantaisie. Pour ça on rêve toute l'année, on veut qu'une chose c'est tout changer. Durant le camp, on s'ouvre à tout, une autre culture, un autre chez nous. On vient, on aide si on peut, on échange même avec des vieux. Ensemble on est mieux, on a du mal à se dire adieu. Les scouts nous portent, nous transportent, nous font danser comme le feu. Ensemble on est mieux, on a du mal à se dire adieu. Les scouts nous portent, nous transportent, nous font danser comme le feu. Enfin tu es animateur du temps, du talent et du cœur, et tu t'engages bénévolement à transmettre tout ce que t'as dans le sang. Parfois c'est vrai, c'est la galère, mais c'est pas grave, en staff tu gères. Baden Powell est fier de toi, chante avec moi et lève trois doigts. Ensemble on est mieux, on a du mal à se dire adieu. Les scouts nous portent, nous transportent, nous font danser comme le feu. Ensemble on est mieux, on a du mal à se dire adieu. Les scouts nous portent, nous transportent, nous font danser comme le feu. Ensemble on est mieux, on a du mal à se dire adieu. Les scouts nous portent, nous transportent, nous font danser comme le feu. Ensemble on est mieux, on a du mal à se dire adieu. Les scouts nous portent, nous transportent, nous font danser comme le feu. Alors, est-ce que les sensations de glisse sont bonnes aujourd'hui? Oui, ouais, j'ai juste couché à l'eau. Faites pas. Maxime, un petit mot à la caméra. Le destin en a voulu autrement. Voilà, tout à fait. Merci Maxime. Ensemble on ira jusqu'au bout. On aura, 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 on
Avec le secours du Seigneur, je le promets, tu le promets. Bye.
Magnifique danse, n'est-ce pas Alex? Oui, on a pu voir les gros talents de danseurs de Jérôme et Mathieu, donc on peut applaudir. Et j'ai vu aussi d'autres réactions dans le chat concernant mes talents de chant. Alors je tiens aussi à vous remercier, même si je pense que c'est peut-être ironique. Et maintenant, donc, on va faire un petit bilan de cette année 2019 et 2020. Qu'est-ce qui t'a marqué, Alex, toi, pendant cette année? Moi, sur cette année, il y a deux choses qui m'ont fondamentalement marqué. Donc, d'abord, le week-end luge, puisque en tant que chef scout et guide, faire des projets comme ça sur le long terme, c'est quelque chose que je n'avais pas l'habitude de faire. Et donc, j'ai pu découvrir ces longs projets et faire un projet d'année tous ensemble, où on prend une camionnette, on part sur un week-end. C'était quelque chose de vraiment génial au niveau expérience. Et le fait de se retrouver dans un autre climat qu'on a moins l'habitude avec la neige et de voir des jeunes aussi à fond dans la construction de luges faites maison, même si certaines, on a pu le voir sur le diapo, étaient peut-être dangereuses, c'était vraiment une aventure extra. Et donc c'est mon premier souvenir marquant de cette année. Et mon deuxième, ça serait bien évidemment l'apparition du virus du Covid, qui nous a quand même fait changer un petit peu notre scoutisme, puisqu'on a pu développer d'autres expériences à la maison. Donc on a pu voir que nous, en tout cas chez les Bleus, on a pu faire des quiz. Donc en visio, c'était des moments de partage et de rire aussi avec certains. On a pu faire un concours cuisine organisé à distance où chacun cuisinait chez eux. Et donc là, on a pu... Même si on ne pouvait pas goûter les plats, les jeunes se sont mis à l'épreuve et ont tous participé. C'était vraiment quelque chose de très très bien. Et maintenant, j'ai envie de te retourner la question à toi, Guillaume. Qu'est-ce qui t'a marqué durant cette année? Écoute, évidemment, le scoutisme, ça serait rien sans les chefs. Et on a vu des images d'un week-end chef, de magnifiques maîtrises perchées dans les arbres. Je garde un très très beau souvenir aussi de ce moment qu'on avait passé ensemble. Parce qu'on apprend à réunir plein d'idées, plein de choses qu'on met ensuite en place pour vous, pour les jeunes, donc c'est des très beaux moments. Et puis effectivement, le Covid, la mise en place du scoutisme à distance, tourner des petites vidéos toutes les semaines, avoir les retours de nos louveteaux, les dessins, les photos, les vidéos, tout ça. Évidemment, c'est pas la même chose que du scoutisme en présentiel, mais en tout cas, c'était une belle expérience et je crois qu'on a réussi quelque chose de bien. Arriver à faire continuer le scoutisme dans ces temps difficiles et c'était pas facile. Dans cette année compliquée, on a quand même réussi à partir en camp. Et donc on va commencer à vous parler des camps. Alex va commencer par vous parler du premier camp qui a eu lieu l'été dernier. Donc c'était bien évidemment le camp Farfadet. Le camp Farfadet, donc il s'est situé au début juillet et il s'est fait dans le domaine de la Petite, donc à Grance. Je rappelle au niveau des farfadets, pardon, pour ceux qui ne savent pas, qu'on a un parent responsable, issu des responsables de groupe, qui amène les jeunes lors d'un week-end de camp, et avec d'autres parents qui sont bénévoles, qui viennent apporter de l'aide tout au long de ce week-end. Et donc là, on avait un camp qui s'est fait sur l'imaginaire donc, de la bête de Grance. La bête de Grance, le camp Farfadet ou la Farfafette. On a monté un diapo pour vous et on vous laisse le regarder juste maintenant.
Alors maintenant, nous retrouvons avec Mathieu. Bonjour Mathieu. Alors on va essayer. Bonjour à vous. Voilà, est-ce que normalement tu nous entends, tu nous vois? Je ne vous vois pas, mais je vous entends haut et clair. Ah, formidable. Formidable. Bon alors Mathieu, on vient de voir ce magnifique diaporama des Farfadets, de la Farfafette à Grance. Que de souvenirs. De cette Farfafette. Est-ce que vous m'entendez en régie? Oui, on t'entend très bien. Ah, très bien, parce que je pense à un décalage du fait de la distance. C'est ça, avec le satellite, on a un délai dans le dialogue. Alors, dis-moi un peu ce que tu retiens, ce que tu as retenu de cette Farfafette à Grance. Eh bien, ça a été vraiment le clou de l'année, le final, et ça nous a permis de vivre d'incroyables aventures, et surtout, ça nous a permis aussi d'approcher cette fabuleuse bête. Alors, je ne sais pas si vous connaissez cette légende, hein, de la fabuleuse bête de Grance, et cette légende raconte que lorsque la Lune est en alignement avec Mars, il y a une bête étrange qui vient boire à la fontaine de Grance, et c'est de là qu'a été construit les bâtiments autour de la fontaine, le domaine de Petite, que vous connaissez sans doute, et donc la bête vient boire à la fontaine toujours ce soir-là, c'est un soir de pleine lune et il y a un alignement avec Mars. Et ça a été vraiment fabuleux parce que nous avons vraiment découvert plein de choses. On a été à la recherche de traces dans la forêt pour essayer d'étudier cette bête, comment elle était, et vous avez vu dans le diaporama la retranscription de ce que les enfants ont pu découvrir. Et donc, voilà, comme d'habitude aussi, une Farfafette, c'est aussi plein d'émotions, plein de souvenirs, mais trop court, mais suffisant, je pense, pour cet âge-là, pour commencer à découvrir le scoutisme. Est-ce que justement, vis-à-vis de ces souvenirs, tu en as un en particulier qui soit drôle ou est-ce que c'était une galère ou autre, mais est-ce que tu as un souvenir qui t'a vraiment marqué? Eh bien, alors, ce qui est vraiment, ce qui m'a marqué surtout, c'est que on a planté les tentes donc sous les bois dans les restanques du domaine de Grance, et donc les enfants sont tout de suite allés jouer sous les bois, et au bout de quelques minutes, ils ont ramené un premier indice, hein, premier indice de la bête, qui était une magnifique mue de serpent, et ils l'ont ramené, ils ont pu la mettre dans la boîte au trésor, et ça a été vraiment incroyable, parce que ça a permis de conduire tout notre imaginaire. De fil en aiguille, nous avons réussi à aller jusqu'au bout de cette Farfafette. Et puis aussi, on a réussi à avoir l'aide d'Anaël avec cette magnifique chorégraphie. Hein, vous avez vu mes talents de danseur. Et grâce à cette chorégraphie, à rythmer toute la Farfafette, à faire les échauffements, à marquer chaque temps de ces 2 jours et demi. Et je pense qu'à la fin, les enfants la connaissaient par cœur. Super. On a d'ailleurs Loïc, qui est aussi un parent des Farfadets, qui réagit dans le chat en parlant d'une certaine anecdote avec des scorpions dans les tentes. Voilà, c'est pas faux. Hein, c'est pas faux. Le premier soir, je me suis couché une fois que les enfants dormaient, et en m'allongeant dans l'éclairage, dans la pénombre de la lampe de poche, il y avait un scorpion qui me regardait, hein, droit dans les yeux. Et c'était la première fois que je me retrouvais dans cette situation un peu face à face avec la nature, quoi. Hein. Et un talon de chaussure a malheureusement mis fin à cet événement. Ah, bah, visiblement, ça n'a pas empêché Loïc de devenir
notre nouveau responsable farfadulte, comme on l'appelle, et puis toi de te laisser devenir notre responsable de groupe délégué au Louveteau. Merci beaucoup Mathieu pour ton intervention. Je rappelle juste que vous avez fait quand même 3 nuits sous tente, c'est ça ? C'est deux nuits sous tente, et donc on a commencé le camp le vendredi soir, le début des vacances, et nous avons fini le camp le dimanche soir. Donc, ça permet ainsi à tous les parents de participer à la Farfafête pendant disponible pendant le week-end. Et ça, c'est je pense une organisation qui marche bien, qu'on a un peu éprouvé depuis ces quelques années où on fait des camps farfadets. Formidable. Eh ben, un grand bravo en tout cas et un grand merci d'être venu nous parler de tout ça. Je rappelle, les farfadets, c'est les 6-8 ans, donc vraiment les tout-petits. Et merci aux parents de s'investir pour leur permettre de découvrir le scoutisme dès 6 ans. C'est vraiment une chance. C'est propre au mouvement de France. Ça existe nulle part ailleurs. Et grâce à nos parents et grâce à nos farfadultes. Donc merci à toi Mathieu. Et puis, bonne soirée, bon live, puisque tu vas continuer à nous regarder. Et puis, à très vite. Et merci à Loïc d'avoir pris le relais. Et merci à vous pour l'organisation de cette magnifique soirée. Avec plaisir. À très bientôt, Mathieu. Merci. Salut. Voilà, sans plus attendre, on va continuer notre soirée. On était chez les Farfadets, les 6-8 ans. On va monter d'une tranche d'âge, les chemises orange, les Louveteaux Jeannette. Les Louveteaux Jeannette, ils sont partis en camp au Vigan au mois de juillet, la deuxième quinzaine de juillet dans le Gard. Il faisait chaud. Là aussi, on a monté un petit diaporama et qu'on vous laisse découvrir tout de suite. Et puis, on en parle juste après. Diaporama des Louveteaux Jeannette au Vigan fin juillet. C'est parti. Je m'en souviens, j'avais 6 ans, je comprenais pas ce que voulaient mes parents. Quand ils m'ont dit, mon enfant, va chez les scouts, c'est important. Moi je flippais grave au début, je sortais chez moi de mes habitudes. Mais la ribambe, elle m'ouvre la porte, et au final le rire m'emporte. Ensemble on est mieux, on a du mal à se dire adieu. Les scouts nous portent, nous transportent, nous font danser comme le feu. Ensemble on est mieux, on a du mal à se dire adieu. Les scouts nous portent, nous transportent, nous font danser comme le feu. Puis je me rappelle de mes 8 ans, chez les Louveteaux tout était différent. Je découvrais la vie au grand air, les jeux dans le bois, la vie sans manière. On court partout, on fait les fous, on rit, on chante comme des loups. Avec la meute je deviens plus grand, la force du loup c'est le clan. Ensemble on est mieux, on a du mal à se dire adieu. Les scouts nous portent, nous transportent, nous font danser comme le feu. Ensemble on est mieux, on a du mal à se dire adieu. Les scouts nous portent, nous transportent, nous font danser comme le feu. Arrivé chez les éclaireurs, plus personne ne me faisait peur. Quand je suis en bande avec mes potes, je me sens plus fort même pour la tote. On vit ensemble et en patrouille, on devient les rois de la débrouille. On construit même nos pilotis, à bout de bras et d'énergie. Ensemble on est mieux, on a du mal à se dire adieu. Les scouts nous portent, nous transportent, nous font danser comme le feu. Ensemble on est mieux, on a du mal à se dire adieu. Les scouts nous portent, nous transportent, nous font danser comme le feu. Puis viennent les pies et leurs envies d'aventure et de fantaisie. Pour ça on rêve toute l'année, on veut qu'une chose c'est tout changer. Durant le camp, on s'ouvre à tout, une autre culture, un autre chez nous. On vient, on aide si on peut, on échange même avec des vieux. Ensemble on est mieux, on a du mal à se dire adieu. Les scouts nous portent, nous transportent, nous font danser comme le feu. Ensemble on est mieux, on a
du mal à se dire adieu. Les scouts nous portent, nous transportent, nous font danser comme le feu. Enfin tu es animateur du temps, du talent et du cœur, et tu t'engages bénévolement à transmettre tout ce que t'as dans le sang. Parfois c'est vrai, c'est la galère, mais c'est pas grave, en staff tu gères. Baden Powell est fier de toi, chante avec moi et lève trois doigts. Ensemble on est mieux, on a du mal à se dire adieu. Les scouts nous portent, nous transportent, nous font danser comme le feu. Ensemble on est mieux, on a du mal à se dire adieu. Les scouts nous portent, nous transportent, nous font danser comme le feu. Ensemble on est mieux, on a du mal à se dire adieu. Les scouts nous portent, nous transportent, nous... From Alabama with my banjo on my knee, and I've gone to Louisiana, my true love for to see. When it rained all night the day I left, the weather it was dry, and the sun's so hot I froze to death. Susanna, don't you cry. Oh, Susanna, don't you cry for me. When I come from Alabama with my banjo on my knee. When I jumped aboard the telegraph to travel down the river, the electric fluid magnified and killed 500 chairs. When the bull jumped buzzed, the horse ran off, I really thought I'd die. So I shut my eyes to hold my breath. Susanna, don't you cry. Oh, Susanna, don't you cry for me. Now I come from Alabama with my banjo on my knee. Now I had a dream the other night when everything was still, and I thought I saw Susanna, she was coming down the hill. Now the bucket cake was in her mouth and a tear was in her eye. So I said, I'm coming from the south, Susanna, don't you cry. Oh, Susanna, don't you cry for me. Well, I come from Alabama with my banjo on my knee. Now I soon to be in New Orleans, and then I'll look around. When at last I find Susanna, I will fall upon the ground. But if I can never find her, then I think I'll surely die. When I'm dead and gone and buried deep, Susanna, don't you cry. Oh, Susanna, don't you cry for me. And I come from Alabama with a banjo on my knee. Oh, Susanna, don't you cry for me. And I come from Alabama with a banjo on my knee. Nous louveteaux à la conquête de l'Ouest, au Vigan.
mais à la conquête de l'Ouest quand même. Un magnifique diaporama qui retrace parfaitement ce camp qu'on a vécu tous les deux avec Alex et avec notre maîtrise de rêve que je salue, Tiffen et Laura. Et maintenant, nous allons donc accueillir un témoignage donc, de ce camp Louveteau, Emeric. Emeric qui est aussi pour ce soir notre régisseur et qui sans lui, cette soirée ne serait pas possible. Bonjour à tous. Salut Emeric, comment ça va? Ça va très bien, je suis très ravi d'être là ce soir. Qu'est-ce que ça te fait de voir ce diaporama du camp Louveteau au Vigan? Qu'est-ce que ça t'a retenu? Ça m'appelle des moments de partage, de joie. Donc les jeunes sont partis 8 jours au Vigan, donc sur un thème de la conquête de l'Ouest. Donc ils sont allés, sont devenus des cow-boys là-bas, grâce à 5 grands cow-boys qui les ont formés tout au long de la semaine. Et puis j'espère qu'ils sont bien aimés. Bah ils ont l'air en tout cas. Concernant justement là, les cow-boys dont tu parles, toi, qui as-tu pu incarner lors de ce camp? Donc moi j'ai incarné John. Donc j'avais une équipe de cow-boys sous mon aile. Et du coup je les ai formés pour qu'ils viennent les meilleurs cow-boys durant le camp. Et en tant que chef, de faire vivre un imaginaire et de rentrer dans la peau d'un personnage, qu'est-ce que ça te fait à toi et comment tu le ressens? Bah, y a des moments où bah, du coup, sortir de rentrer dans l'imaginaire, c'est un petit... Au début, j'ai mis du temps au début du camp, mais au final, à la fin du camp, bah, j'étais directement dans le personnage. Et c'est limite, j'y restais après. Donc... On salue évidemment nos deux co-girls de choc, Suzanne et Jess. Qui ont subi la peine capitale du goudron et des plumes. Du côté chef, est-ce qu'il y a un moment dans le camp qui t'a marqué, qui t'a vraiment marqué particulièrement? Je dirais la rando, parce que quand même, une rando qui, sur le papier, fait 7 km et on est rentré à 15h, mais finalement, on est peut-être rentré à 20h et peut-être passé entre les arbres et escalader des montagnes. Cette randonnée d'ailleurs dont nous fait part Elora, donc autre chef ten, ce qu'elle nous dit dans le chat, on s'en souviendra de cette randonnée. Et c'est vrai que cette randonnée, elle a marqué à la fois les jeunes et les chefs. Et la famille Poitot vraiment... qui nous dit, je cite, paumé en forêt, sans eau, avec au moins 30 gosses, c'était l'horreur. Voilà, je pense que c'est plutôt bien résumé, même si je ne suis pas totalement d'accord avec la fin. C'était une belle expérience et on a eu beaucoup de chance de faire vivre cet épisode un peu sauvage et rural à nos Louveteau. Emeric, est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur ce camp Louveteau? Je pense qu'on a fait le tour. C'était vraiment un camp formidable. Donc c'était ma première vraie expérience scout parce que sinon j'avais fait qu'une journée avant et je me suis éclaté. J'ai passé un super moment. Tu t'es couché tard aussi? Tard. Je crois qu'une photo en témoigne. Bon ben donc tu repars l'été prochain? Ouais. Formidable. Et ben merci Emeric, merci à toi d'être venu et puis merci de continuer à nous mettre en live, voilà, parce que je le redis, Emeric est notre régisseur ce soir, donc merci à toi et puis on va passer tranquillement au diapo suivant. Bah, merci à vous et je vous souhaite une bonne fin de live. Merci beaucoup. Alors pour le diapo suivant, du coup, bien évidemment, il va concerner les scouts et guides dont j'étais un des chefs donc, pour le camp de l'an dernier. Ce camp, il avait pour thème la piraterie, puisque c'était une alliance de pirates qui était censée former une alliance pour combattre les Européens. Ce camp, il s'est déroulé donc, à côté d'Espelette, dans un petit village qui s'appelle La Ressort. Nous sommes partis 2 semaines et je vous laisse avec juste ce diaporama. Je coupe Alex et je salue Clément Gaine, qui est notre AP Louveteau Jeannette, qui nous dit « on apprend des choses, Clément ». On s'appelle après le live si tu veux. Et puis la randonnée a marqué beaucoup de monde. Hein. Voilà, on nous en parle beaucoup dans le chat. N'hésitez pas à réagir. Encore dans le chat, on lit tous vos messages. On est avec vous encore. Et puis c'est parti pour le diapo des bleus. We'll be right back.
rencontrer l'autre sur la route. Nos différences, on les partage. Partons ensemble sans bagages. La caravane. Voulez-vous prendre pour épouse Bob Marley? Elle a des cheveux. Oui. Bob Marley, voulez-vous prendre pour époux Gaëtan Marchaud? Oui, je veux. Oui. Vous voulez embrasser la mariée? Les bagues, s'il vous plaît. Vivons en de la 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 la
santé des amoureux, à la santé du roi de France, et mère pour le roi d'Angleterre qui nous a déclaré la guerre. Donc voilà pour la fin de ce diapo des scouts et guides, donc de l'an dernier. Et maintenant, et pour en parler, on va accueillir deux jeunes qui sont venus, qui ont accepté de venir nous parler ce soir. C'est Guillaume et Lucie. Bonjour Guillaume, bonjour Lucie, comment ça va? Bonsoir. Bonjour. Ça va, vous avez la forme? Ouais, ça va. Merci d'être là, c'est super, c'est génial, on est super content de vous voir. Merci à vous. Ben, nous aussi, on est content de vous voir. Alors Lucie et Guillaume, si on revenait un petit peu sur ce camp que vous avez vécu donc, avec moi, est-ce que vous avez, je vais commencer par toi Lucie, est-ce que tu as un souvenir marquant, un bon et un mauvais par exemple, que tu pourrais nous raconter ce soir? Bah, alors, le bon c'est, en fait il y a plein de choses drôles qui se sont passées, comme il y a une fois, il y a un matin, on finit de déjeuner, genre tranquille. Et tout d'un coup, on voit arriver une jument et quelques ânes arriver en courant sur nous. Et après, pas longtemps après quand même, et ben on voit leur propriétaire qui courait derrière. Mais voilà, c'était bizarre. C'est vrai que les moments de ce camp étaient marqués par l'apparition d'animaux, que ce soit les chevaux, les brebis, on en a vécu pour les goûts et les couleurs. Et toi Guillaume, si tu avais un moment à nous raconter de ce camp, ça serait lequel? Ce serait la nuit où on a fait la veille de feu, oui. Où vous nous aviez dit qu'on devait être que deux, et au final on était à 15 autour du feu à jouer aux cartes et à rigoler et discuter. Okay. Est-ce que tu peux expliquer en quoi ça consiste une veille de feu pour les familles, par exemple, qui ne connaisseraient pas ou des louveteaux, par exemple? On allume un feu le soir et il doit rester allumé toute la nuit en se relayant toutes les 45 minutes, nous c'était. Et chaque créneau, c'était deux personnes, puis ils allaient réveiller les autres, qui allaient réveiller ainsi de suite, jusqu'au matin. Génial. Alors... On lit le chat, hein. Je vous l'ai dit, réagissez dans le chat. On salue Madame Marchand qui nous dit « Je ne savais pas que j'étais belle-mère ». Effectivement, on a assisté au mariage de Gaëtan avec, je ne sais plus son prénom, mais une magnifique jeune femme en bois. Guillaume et Lucie, vous savez le prénom? Oui, c'était Bob, je crois. Ah, Bob, en plus. Ben voilà, tout est possible au scout et surtout au bleu. Hein. Moi, j'ai quand même une question, parce que j'étais pas à ce camp bleu, mais il y a un truc dont j'ai entendu parler dans tous les sens. Les frelons. Il faut que vous me racontiez les frelons parce que j'en ai entendu parler par les chefs, par les jeunes, par les responsables de groupe, par tout le monde. Alors racontez-moi cette histoire de frelons parce que... Les frelons, bah, on était dans un endroit où il y avait des grands arbres avec des nids de frelons dans des arbres et il y avait plein de frelons. Et on a même appelé un monsieur qui est venu pour enlever les nids, mais il y en avait encore après. Et chaque soir, les chefs, ils prenaient leurs bombes et ils faisaient pchi partout dans leur petite maisonnette, là, je sais pas comment. On salue d'ailleurs Quentin et Mathis qui nous regardent et qui ont développé des compétences de chasse de frelons absolument extraordinaires lorsque les enfants étaient couchés pour limiter les risques, évidemment. Et puis, je crois que vous avez fini sans frelons quand même à la fin du camp. On a d'ailleurs Quentin qui nous dit « Beaucoup de souvenirs qui rejaillissent. Merci à tous les jeunes pour leur participation, à l'ensemble de la maîtrise d'avoir rendu cela possible. Merci à toi aussi Quentin d'avoir assuré ce camp. » Et puis on apprend que la femme de Gaëtan, Bob, avait un fils qui s'appelle Bobby. Donc on salue Bobby. et Quentin qui dit « Je précise que nous n'étions pas au courant. » Oui, bah écoute, voilà. Maintenant tout le monde est au courant, puisque vous êtes nombreux sur ce live à nous suivre. Lucie et Guillaume, est-ce que vous avez encore quelque chose à nous raconter? C'était pas trop long parce que la ressort c'est loin quand même. Moi, j'ai trouvé que dans le bus, ça passait assez vite, même si c'était un peu loin. Et surtout justement, dans le bus, faire autant d'heures de route, vous arrivez à passer le temps vite? On avait des jeux de cartes, il y avait le conducteur qui mettait de la musique. On a regardé des films aussi. Okay. Voilà. Super, voilà. Il faisait pas trop chaud?
Non, si, ça allait. Si, quand même. Il faisait chaud, mais... Bon, donc vous recommandez le Pays Basque pour le piment, le chocolat? Ouais. Justement, si on revient sur ce piment et le chocolat, qu'est-ce que vous avez pensé de la petite sortie puisque l'exploration n'était pas possible, on a fait une sortie à Espelette. Est-ce que vous pouvez nous en raconter un petit peu plus et nous donner votre avis dessus? Bah, moi, j'ai adoré parce qu'on a visité la ville, on a goûté les spécialités de la ville, notamment les piments et aussi les chocolats. Alors, ces piments, ils piquent ou ils piquent pas? Ça dépend. Je sais qu'il y a une échelle de 1 à 10, il est plutôt du 3 ou 4, pas plus. C'est bien, il est sur le numéro 4. Bon, bah, c'est super, en tout cas, on est super content de vous avoir eu. On a Thomas Henry qui vient d'arriver, et puis Océane qui nous dit c'était trop bien le bus, donc visiblement, la longueur dérange parfois les chefs, mais pas les jeunes. Bon, bah, c'est super. Une dernière chose à rajouter? Non, c'est bon. Si, c'était un peu dommage qu'à un moment, il y ait quelques personnes, 3 ou 4 personnes qui étaient malades et du coup, ça, on avait peur que le camp y ferme et tout ça. Mais au final, ça... Malade, mais aucun cas de Covid, je tiens à préciser quand même. Moi, j'ai une dernière question. Si vous deviez mettre un seul mot sur ce camp, ça serait quoi comme mot? Extraordinaire. Ok. Et pour toi, Lucie? Plus que génial. Alors ça fait 3 mots, mais c'est bon, je te l'accorde. C'est bon, génial. Bon, bah, merci beaucoup en tout cas, Guillaume et Lucie, d'être venus. C'était super. Vous avez été parfait. C'est pas moi qui le dis, c'est Thomas Henry qui dit Guillaume, futur Macron. Et il y a vos cousines qui vous passent le bonjour, okay, qui disent que vous êtes les meilleurs. Je suis d'accord, vous avez été parfait. Et oui, elles font partie du live. Bravo à vous et merci d'être venus. On ne retient pas plus longtemps. Et puis, bon live. Bonne suite de live. Merci. Au revoir. Bonne soirée. À très vite. Ciao. Voilà, merci à Guillaume et à Lucie qui ont accepté de venir parmi nous. On va, sans plus attendre, continuer notre soirée. Restez bien avec nous jusqu'à la fin. On a une petite surprise pour vous à la fin. On va passer au Pionnier Caravelle. Alors, je prends mon conducteur parce que je ne connais pas toutes les dates par cœur. Nos Pionniers Caravelle, donc ils sont partis très précisément du 27 juillet au 8 août dans un château à Balaison. Ils étaient en jumelage, c'est-à-dire sur le même camp avec le groupe de Thonon-les-Bains. Voilà, ils sont partis un peu plus de 2 semaines. Les Pionniers Caravelle, je rappelle, c'est les 14-17 ans qui sont partis pendant un peu plus donc, de 2 semaines. On vous laisse découvrir le diaporama. C'est parti. It's not right, no. Going insane. Got a problem to fix. Can we face it tonight? Face it tonight, oh. No way, though. Maybe I can't let go. Maybe I thought you'd take my side, my side. No way, though. You'll never think it through. One more round, I'm not going down tonight. Baby, you're worth the fight. Thank you.
said you were staying through the winter season, but you're not there. You're not there, no. Devant ce magnifique château, c'était incroyable. Les 14-17 ans, on voit qu'ils ont eux aussi tout le loisir de s'éclater en camp. Les camps, ça rassemble toutes les tranches d'âge, toutes les sensibilités, ça rassemble tout le monde, tout simplement. Et là encore, on a une jeune qui est venue nous parler de son camp. On va l'accueillir tout de suite, c'est Justine. Salut Justine, comment ça Salut. Va, tu nous entends? Salut Justine. Oui, je vous entends. Super, bon bah tout fonctionne, c'est génial. Comment tu vas ce soir? Ben ça va super, et vous? Ben écoute, très bien. Très bien aussi. On est super, super content d'être là devant tout le groupe Rock Pertus. N'hésitez pas à réagir, surtout les Rouges, nos pionniers Caravelle. Soutenez Justine qui est là en direct avec nous. Alors Justine, moi j'ai une première question, puisqu'on évoque ce camp donc Rouge. Est-ce que tu pourrais nous informer un petit peu plus de l'imaginaire auquel vous avez participé tout au long du camp? Alors, nous, on avait un imaginaire qui était autour des gardiens de la galaxie. Et ouais. Du coup, on devait partir à la recherche des différents mondes, tout ça. On avait des personnages un peu extravagants et on devait rechercher des pierres un peu spéciales. Enfin, voilà, c'était vraiment chouette. Vous vous êtes éclaté? C'est ça. Alors comment ça se passe un camp en jumelage? Est-ce que c'est compliqué parce que vous ne connaissez pas tous les jeunes, vous ne connaissez pas les chefs de l'autre groupe, ou est-ce que au contraire c'est quelque chose en plus, c'est encore mieux? Comment ça se passe? Bah là, beaucoup d'entre nous, on connaissait déjà certains jeunes parce qu'on avait déjà fait un jumelage l'année dernière avec ce groupe. Du coup, en fait, c'est super parce que déjà on retrouve d'anciens amis. Et en même temps, c'est super parce qu'on fait plein de nouvelles rencontres. Après, faut tomber sur des gens avec qui on s'entend bien. Mais la plupart, on s'entend tous bien. Du coup, c'est trop cool parce que c'est différent et voilà, on voit du monde, quoi, et c'est cool, quoi. Est-ce que ça ne vous brise pas un petit peu le cœur à la fin de votre camp de devoir leur dire au revoir? Si, si, c'est toujours très, très dur. Ça finit toujours en larmes, mais au moins, on sait que ça fait toujours des bons souvenirs et qu'on n'a qu'une envie, c'est de les revoir.
Et justement, ben, si tu as qu'une envie de les revoir, est-ce que vous avez gardé contact un petit peu avec eux? Oui, certains d'entre nous, on garde contact. Je sais que moi, il y a une fille de ton nom qui s'appelle Juliette, avec qui je garde encore contact, et on essaye de se voir le plus souvent hors camp, quoi. Très bien. Génial. Alors, t'as un foulard un peu particulier par rapport au nôtre. Je vais m'approcher pour qu'on voit le mien, qui est le foulard du groupe Rock Pertus, le jaune et rouge. Toi, t'as un foulard un peu... Alors, t'as plusieurs foulards, plein de foulards. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu pourquoi il y a un foulard à moitié, moitié, moitié? Alors celui-là, donc comme vous le connaissez tous, c'est le jaune et rouge, celui de notre caravane. Et l'autre, le bleu et jaune, c'est celui de la caravane du coup de Thonon-les-Bains. Ok, super, super. Bon, on a vu que vous aviez aussi participé à des belles actions, à des chantiers. Enfin, vous avez vu en tout cas participé à pas mal de choses. Donc ça prouve que les camps s'adaptent aux tranches d'âge, vous faites plein de choses. On ne s'ennuie pas en camp scout, je suppose? Non, pas du tout. On fait toujours plein de trucs et il y a toujours une super bonne ambiance, donc c'est génial. D'où le succès des Pionniers Caravelles cette année. Vous êtes 19, je me permets de faire un petit écart par rapport au camp, mais on est sur votre chaîne YouTube, vous nous hébergez sur votre chaîne YouTube. est-ce que tu veux en parler très rapidement enfin, pas très rapidement, en parler tout simplement à ceux qui nous regardent. Pourquoi cette chaîne YouTube? Bah, en fait, la chaîne YouTube sur laquelle on est, c'est notre cap d'année, donc notre projet d'année. En fait, on voulait faire un projet qui soit adaptable pendant cette période de Covid, parce que on ne peut pas faire des projets avec beaucoup de monde. Par exemple, la dernière, on avait comme idée d'un projet avec des enfants dans un hôpital. Sauf que ça n'a pas été possible avec le Covid. Et pareil, là, on ne peut pas le refaire parce que c'est toujours pas possible. Du coup, on cherchait un cap qui soit un projet qui soit cool, mais en même temps qui soit possible, quelle que soit la situation, quoi. Génial. Et en tout cas, bravo pour ce beau projet de chaîne YouTube. Merci. Vous qui nous regardez, on compte sur vous. Abonnez-vous, activez cette fameuse cloche. Si vous ne savez pas ce à quoi ça correspond, demandez à vos enfants, eux, ils le savent. Et puis, vous pouvez déjà regarder les vidéos de présentation qui sont sorties hier soir pour qu'elles y soient avant ce direct. Et puis, toutes les vidéos qui suivront, évidemment, tout au long de l'année. Soutenez nos pionniers caravelles dans leur projet d'année. On compte sur vous. Et je salue aussi, évidemment, les chefs rouges, Amélie, pour cette année et déjà pour le camp. Et puis, Julie et Alexis, qu'on a vu aussi dans le diapo. On leur passe le bonjour, évidemment. Justine, quelque chose à rajouter sur le camp, sur l'année, sur ce que tu veux? Une petite anecdote drôle ou pas d'ailleurs? En anecdote, j'en ai une du camp. C'est que les chefs nous ont préparé une surprise pendant le camp qui était vraiment chouette. C'était qu'on a fait du Big Mama, c'est du paddle géant, et sur le lac Léman. Et c'était vraiment ouf parce que du coup, on s'est répartis en deux groupes sur deux journées, et c'était trop drôle parce que tout le monde se poussait dans l'eau, enfin bref, c'était vraiment un super moment. Et du paddle géant au scout, hein, on est bien loin de l'image d'Épinal, du scout en uniforme qui sent mauvais et qui met du bois mouillé dans du feu. C'est ça aussi la richesse des camps qu'on peut faire, voilà, on fait énormément de choses, donc ça donne envie, je crois, à nos bleus de continuer, et puis à nos bleus en troisième année notamment d'intégrer les pionniers caravelles l'année prochaine. Enfin, en tout cas, je crois. Beaucoup de succès en tout cas sur le chat, hein, on continue à avoir beaucoup de messages. Merci beaucoup, Justine, sauf si tu as quelque chose encore à rajouter. Non, je pense que... Bon, écoute, merci beaucoup d'être venu, c'était super, merci d'avoir... courageusement représenter tous tes camarades de Rock Pertus et de Thonon. Bravo à toi, t'as été super. Et puis, bonne soirée, bonne fin de live. Il faut bien rester jusqu'au bout, je le rappelle. Il y a une petite surprise. Enfin, voilà, donc restez bien jusqu'au bout. Merci beaucoup, Justine. Et puis, à très vite. Merci. Bonne à soirée très à vite. Toi. Bonne salut. Soirée, Justine. Et maintenant, on va pouvoir enchaîner avec le dernier diaporama qui concerne donc les compas. Les compagnons, nos grands, nos 17-21 ans,
qui sont autonomes, alors autonomes mais accompagnés, hein, toujours au sein des Scouts et Guides de France. Ils sont partis aussi en camp, mais c'est eux qui ont construit leur camp. Et vous allez voir que à cet âge-là, à partir de 17 ans, on est tout à fait capable de construire quelque chose de formidable. Donc on vous laisse découvrir le camp des compagnons. À 17 ans, on fait parfois quelques petites erreurs d'expérience. Vous allez le voir et on en parle juste après avec nos compagnons. À tout de suite. Malgré un monde qui se fissure, les expériences me rassurent. M'ouvrir au monde, passer les murs, rencontrer, vivre l'aventure. Les années passées à grandir m'ont amené prêt pour servir. Les yeux tournés vers l'avenir, un regard vert plein de plaisir. Je prends le relais. Là, j'ai 5 euros.
Ah bah nickel. Non, après, je suis trompée. Notre histoire s'écrit à plusieurs pour partager toutes nos valeurs. Les rires, l'espoir et les projets font de nous tous une unité. On a négocié des virages, on a avancé sans naufrage. Un seul mot d'ordre, fraternité, pour une terre à partager. Je prends le relais. Allez, allez, les doigts là. Maintenant. Alors, comme vous avez pu le voir sur ce dernier diaporama, c'était un camp riche en émotions. Et pour parler de ce camp riche en émotions, nous allons accueillir une des compas. Donc, bienvenue à Elora. Elora, bonsoir. Salut Elora. Bonsoir. Alors Elora, qu'est-ce que tu peux nous raconter sur ce camp, cette aventure, mais aussi tes mésaventures? Alors déjà, pour commencer, je peux dire que ce camp, ça a été une première expérience pour nous, parce que on n'avait pas de chef et c'était la première fois que on construisait vraiment notre camp. Et forcément, ça entraîne des erreurs d'une expérience, on va dire, mais au final, on en rigole de tout ce qui s'est passé et c'est génial. Du coup, pour revenir sur ces mésaventures, on en a eu quand même quelques-unes pendant le camp, mais je pense que la plus importante, c'est que au retour, en fait, on s'est carrément trompé de train et on a pris un train qui partait à Austerlitz. Et on s'en est rendu compte quand on était déjà dans le train, en fait. Du coup, après, c'était la galère parce que on a dû arriver à une gare, changer de train. Donc, au final, tous les contrôleurs nous connaissaient. Ils disaient, c'est vous qui vous êtes trompé et tout. Voilà. Et en fait, en arrivant à Toulouse, on a voulu reprendre un train pour rentrer sur Aix-en-Provence. Et ils nous ont dit, oui, tous les trains sont complets. Il n'y a pas de train avant demain. Et du coup, on a dû chercher une solution. On a cru qu'on allait rester bloqué sur Toulouse toute la nuit. Mais on a fini par trouver un Flixbus et on est rentré à minuit au lieu de 15h. Voilà. Et on a réussi au final. Voilà, voilà. Les souvenirs qui forgent la jeunesse. voilà, c'est ça. Bon, après, on sait que pour la prochaine fois, il faudra faire plus attention au transport. Et de toute façon, je pense qu'on aura une voiture pour la prochaine fois, donc ça sera plus facile. Parce que c'est vrai que le manque de voiture, c'est quand même compliqué. Niveau bouffe, l'eau et tout ça, ça a été une galère pendant tout le camp. Et à refaire, si on avait eu une voiture, ça aurait changé des choses quand même. Ouais, parce qu'on rappelle que vous n'avez pas de chef, ni pendant l'année, ni pour préparer le camp, et ni sur le camp. Vous partez en autonomie, donc vous avez des accompagnateurs qui vous suivent quand même à distance, mais vous êtes... C'est ça exactement. Ouais, nos accompagnateurs nous ont bien aidés à construire le camp, à régler les problèmes de gestion et tout ça. Mais c'est vrai qu'une fois qu'on est sur le camp, on est livré à nous-mêmes, quoi. Donc après, c'est à nous de nous débrouiller. Voilà. Après, on a vécu plein de souvenirs et je pense que c'est un camp qui sera inoubliable autant dans les bons souvenirs que dans les mauvais. Que maintenant, on en rigole. Hein. Ouais. C'est une super école de la vie, si je puis dire. Oui. Vous êtes parti, rappelle-nous exactement où est-ce que vous êtes parti et dans quel cadre? Alors on est parti vers Albi, vers un endroit qui s'appelle Castle Rock. En fait on est parti là-bas parce qu'il y a un ancien château qui est en rénovation depuis un petit moment. Et une des compagnons connaissait les gens qui géraient le château et donc on a réussi à aller sur un lieu de camp là-bas pour pouvoir aider à la rénovation pendant 2 semaines, du coup. Donc, on a aidé à rénover le château, on a fait de la peinture aussi, on a fait des marches, comme le diapo nous le montrait. Voilà, donc c'est vraiment un château de l'ancien temps. Il est un peu en ruine, mais voilà, quoi. Mais vous avez participé à la rénovation de ce château. Oui, exactement. Donc, ça doit être génial. Ça doit être génial. Et ce qui était cool, c'est aussi que sur le lieu de camp où on était, on était pas seul.
Il y avait aussi une équipe Pio qu'on a vu que deux jours, qui sont partis au bout de deux jours parce qu'eux, ils étaient là depuis un moment. Mais après, il y a d'autres compas, une équipe de trois filles qui nous ont rejoints aussi. Donc, on a pu créer des liens avec un peu tout le monde. Et c'était cool parce que on s'est pas retrouvés toutes seules, enfin tout seul parce qu'il y avait Valentin après. Et on s'est pas retrouvés toutes seules à quatre. On a pu créer des liens avec plein de personnes et c'était vraiment cool. Est-ce que tu as un moment que tu as préféré dans ce camp? Je pense que il y a un moment en particulier, c'est en fait le dernier soir, on a fait une soirée, le propriétaire du château nous a laissé les clés du château pour qu'on puisse aller faire une soirée là-haut. En fait, il y a un four à pizza, il y a plein de trucs comme ça, et du coup, on s'est éclaté. En plus, il y avait aussi les employés du château là-haut et tout, donc on a vraiment fait une soirée super, et c'était vraiment cool. Bon bah écoute, formidable. Est-ce que t'as quelque chose à rajouter encore sur ce... Non, je pense pas. Après, je dis merci bah forcément à tous mes potes qui étaient avec moi, les compas, les gens que bon ben bah, ils sont pas sur le live, mais même les autres compas et les pios qu'on a pu croiser, ça a été un moment génial. Tes potes compas de Rock Pertuse, Valentin, Lisa et Célia, qui sont partis avec toi, qu'on a vu. Je profite que tu sois là parce que on t'a vu dans plusieurs diapos ce soir, pour revenir un peu sur le camp Louveteau, puisque tu étais avec nous au camp Louveteau. C'était ton premier camp en tant que chef. C'était mon premier camp, oui, en tant que chef. Ouais. Qu'est-ce que ça t'a inspiré? Comment t'as vécu Moi, j'ai kiffé ça, parce que moi, je fais des scouts depuis un moment maintenant, et depuis que je suis toute petite, c'est vrai que mes deux rêves, c'est compas et de devenir chef, parce que quand tu vois du côté enfant, enfin, quand t'es un enfant et que tu vois les chefs, tu dis waouh, c'est ouf ce qu'ils font et tout. Et quand tu te retrouves du côté de chef, par exemple par rapport à l'imaginaire, tu dis d'arriver à faire rêver des enfants juste en se déguisant et en faisant quelque chose de toi-même, c'est incroyable. Enfin, voilà. Et justement, bah, si toi qui as un petit peu tout connu, donc c'est-à-dire faire des camps, donc en étant petit avec des chefs, faire aussi un camp sans les chefs et faire un camp en tant que chef. C'est quoi, toi, ce que t'as peut-être préféré? Je sais pas si je pourrais dire que j'ai préféré quelque chose, parce que c'est toutes des expériences différentes. La question Ouais. Parce que c'est vrai qu'en tant que jeune, je pense que si j'étais si j'étais plus jeune que ça, j'aurais largement préféré le camp, enfin, en étant jeune, parce qu'en fait, tu vis le camp. Et il se passe plein de choses. Mais maintenant, je pense que d'être chef, c'est quand même une chose incroyable. Bon, pour l'instant, j'ai pas assez de temps parce que bah, les études, c'est un peu dur. Mais je pense que quand j'aurai passé les deux années un peu compliquées, les chefs, ça me tente bien, quoi. Voilà. Écoute, en tout cas, tu sais que t'es toujours la bienvenue à Rock Pertuse en tant que chef. On a une question pour toi dans le chat avec la famille Marchand, donc qui nous demande de quel siècle datait le château. La suite des questions pièges. Hein. Oula. Alors là, je crois me souvenir que c'était du 16e, mais je suis pas sûre de ce que je dis, alors faut pas prendre mes paroles. Voilà. C'est bon, voilà, 16e siècle. On va dire que c'était ça, il faut être sûr de ça. On va dire, ouais. Super. Merci beaucoup, Elora, en tout cas, pour ton témoignage. C'est toujours sympa d'avoir des retours des personnes qui ont vécu chaque camp. Et on te souhaite une bonne soirée et une bonne fin de live. Merci à vous de faire tout ce live et puis bonne soirée à vous aussi. Merci beaucoup, c'était super de te voir. Gros bisous, à très vite. Ciao. Voilà, et bien, on arrive doucement, mais sûrement à la fin de notre soirée. Ça fait une heure et demie déjà qu'on est ensemble. Je sais que vous êtes encore assez nombreux sur ce live. Alors, on n'a pas totalement terminé. On a terminé les tranches d'âge. On a malheureusement plus de diapos en stock. On n'a pas tout à fait fini notre soirée. Déjà, on voudrait remercier, vous remercier vous d'avoir été présents ce soir. Je sais que vous êtes très nombreux en famille, devant la télé, devant vos ordinateurs. Merci à vous. Merci de jouer le jeu tout au long de l'année, les étés, pendant les camps. Merci de tenir cette année qui n'a pas été facile depuis un peu plus d'un an maintenant. On essaye de faire vivre du scoutisme à nos jeunes. C'est pas toujours facile, mais on essaye de le faire. Pour des raisons sanitaires, on peut être que deux ce soir.
trois avec Emeric à la régie, parce qu'on est dans une petite pièce, mais on salue évidemment tous les chefs qui font rêver vos enfants avec nous. Je pense qu'on va quand même les citer. Pour les Louveteaux, on remercie Dorian, on remercie Jules et on remercie Emeric évidemment. Pour les Scouts et Guides, je remercie Quentin, notre responsable d'unité, Tiffaine et Alexandra. Pour les Rouges, on tire notre chapeau à Amélie qui gère toute seule nos 19 pionniers caravelles avec l'aide intermittente de différents membres du groupe. Et puis on remercie aussi toute notre équipe de groupe qui nous soutient tout au long de l'année, qui nous permet de nous former, de faire plein de choses, qui nous prépare des week-ends de maîtrise comme vous en avez vu quelques-uns. Puisqu'on parle de l'équipe de groupe, comment ne pas donner la parole à Jérôme, notre responsable de groupe. Salut Jérôme, est-ce que tu nous entends ? Bonsoir Jérôme. Je vous entends très bien. Est-ce que vous m'entendez bien aussi ? On t'entend parfaitement. Alors, on ne sait pas ce que tu vas nous dire, mais il était tout à fait normal qu'on laisse à la fin de ce live la parole à nos responsables de groupe. Donc, ce que je vais vous dire d'abord, c'est un grand merci à l'équipe qui a préparé cette soirée. Ça a été un moment fort. De revoir toutes ces images, de revoir ces camps, ces sourires d'enfants. J'ai une pensée aussi à tous les parents qui font confiance à notre groupe en nous confiant leurs enfants. Et quand on voit tous ces sourires, moi, c'est de camp, c'est le symbole de la réussite de notre mission. Alors certes, c'est peut-être pas la mission alpha de Thomas Pesquet, mais en tout cas, vous les chefs, vous arrivez à emmener des enfants dans les étoiles et ça, c'est le principal. Un grand merci donc à vous, chef Fetel, pour le temps que vous passez au milieu de vos études. C'est quelque chose de formidable et je vous en remercie. Voilà, et à vous, et ainsi un grand merci à tous ces jeunes, parce que s'il ne faut pas oublier, sans tous ces jeunes, c'est Farfadé, c'est Toto, c'est Jeannette, c'est Scout, c'est Guide, c'est Pionnier, c'est Caravelle et c'est Compagnons, et ben on ne serait pas là. Donc un grand merci à tous. Et on a passé un très 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 bon moment en votre compagnie. Et je vous souhaite une bonne fin de soirée. Merci beaucoup Jérôme pour tes mots. Merci évidemment, hein, c'est ce qui nous fait, c'est les jeunes qui nous font tenir, qui sont au cœur de notre engagement. Alex a une très belle phrase, hein, souvent quand on lui dit mais pourquoi est-ce que t'es chef scout, pourquoi tu fais ça, va en colo au moins t'es payé, un grand scout. T'es pas payé, Alex résume ça très bien. Quand il nous dit un camp scout, c'est pas payé parce que ça a pas de prix, tout simplement. Voilà, c'est une phrase qu'Alex m'a dit souvent et que je garde en mémoire. Merci à toi, en tout cas, Jérôme, d'avoir été là. Et puis. Un grand merci à Guillaume et à Alexandre pour l'animation, à Emeric pour la régie, à Anne pour les invitations, à Amélie, à Justine, à Mathieu et puis également à Alexandre pour avoir fait et Laura pour avoir monté les diaporamas. On a passé un très très bon moment. Merci beaucoup Jérôme. Bonne soirée à toi bientôt à tous. Et puis à très vite. Voilà, on arrive à la fin de notre live. Déjà, on voit encore beaucoup de messages dans le chat. Je vous remercie. Messages qui nous font plaisir. Ouais, beaucoup de messages, beaucoup de merci et c'est vraiment à nous de vous remercier. Je voudrais saluer. Ludovic, qui est sûrement avec Marie-Agnès, qui sont nos délégués territoriaux. On a la chance d'avoir nos DT. C'est vrai que ce live, c'est une première, je crois. En tout cas, au niveau du groupe, Rock Pertuse, Velo 21, Koudoux, Lafar les Oliviers, Rognac, Vitrolles, c'est une première. C'est une première, je pense, au niveau du Pays d'Aix et puis au niveau territorial, donc au niveau de la région jusque dans les Alpes. J'espère que ça donnera des idées à d'autres groupes, s'il y a d'autres groupes qui nous regardent. Cet épisode de cette soirée, vous pourrez le retrouver normalement sur cette chaîne, sur la chaîne des Pionniers Caravelles. Il faut le temps qu'on fasse quelques contrôles de qualité d'image et puis normalement, elle sera postée d'ici quelques jours sur cette chaîne et vous pourrez revoir cette soirée, revoir des morceaux de soirée, les diaporamas, etc. Vous aurez accès à tout ça. Merci beaucoup pour vos messages dans le chat, c'est qui nous font très 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 plaisir. On aurait préféré vous voir en vrai, mais au final, un live comme ça et de voir vos réactions, ça nous touche et on se dit qu'on a fait quelque chose de bien et que ça nous donne envie de continuer et de vous faire revoir des images
nouvelle, avec encore des étoiles dans les yeux de vos enfants, avec les camps qui se préparent pour cet été. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous le dire maintenant, mais surtout quand vous nous verrez. Et puis maintenant, avec Aymeric, alors je vous ai promis une petite surprise. Je vous avoue, on n'avait pas vraiment prévu de surprise. Alors en guise de surprise, je vais vous montrer un petit peu la configuration de cette soirée avant de vous quitter. Si ça vous a plu, on refera peut-être des lives. On refera quelque chose. Voilà, alors on va bouger la caméra en essayant de rester à peu près stable. Attends, on va plier ça comme ça, voilà. Et alors, non, on va pas pouvoir... attends, on va fermer ça. On va vous montrer la régie et puis ça sera déjà ça. Aymeric, va t'asseoir parce que toi, tu étais notre régisseur ce soir. J'essaie de cadrer dans le retour vidéo. Voilà, on avait cette magnifique régie avec Aymeric qui était là sur le côté, qui nous a accompagnés tout au long de cette soirée. Voilà ce qu'on peut vous montrer. On est un peu avec les moyens du bord. Voilà, on va revenir dans le cadre. Merci à Alex d'être toujours là, toujours présent. Merci à vous. On vous laisse avec un peu de musique scout si vous voulez danser. À très bientôt. Prenez soin de vous. Faites attention à vous. Et puis, on a hâte de vous retrouver puisque dès demain, les rencontres scout normalement reprennent. Donc, on attend des informations du national et puis on a hâte de pouvoir reprendre nos rencontres. Bonne soirée à vous. Bonne soirée à tous. À très bientôt et prenez soin de vous. Salut. Je m'en souviens, j'avais 6 ans, je comprenais pas ce que voulaient mes parents. Quand ils m'ont dit, mon enfant, va chez les scouts, c'est important. Moi je flippais grave au début, je sortais chez moi de mes habitudes. Mais la ribambelle elle m'ouvre la porte, et au final le rire m'emporte. Ensemble on est mieux, on a du mal à se dire adieu. Les scouts nous portent, nous transportent, nous font danser comme le feu. Ensemble on est mieux, on a du mal à se dire adieu. Les scouts nous portent, nous transportent, nous font danser comme le feu. Puis je me rappelle de mes 8 ans, chez les louveteaux tout était différent. Je découvrais la vie au grand air, les jeux dans le bois, la vie sans manière. On court partout, on fait les fous, on rit, on chante comme des loups. Avec la meute je deviens plus grand, la force du loup c'est le clan. Ensemble on est mieux, on a du mal à se dire adieu. Les scouts nous portent, nous transportent, nous font danser comme le feu. Ensemble on est mieux, on a du mal à se dire adieu. Les scouts nous portent, nous transportent, nous font danser comme le feu. Arrivé chez les éclaireurs, plus personne ne me faisait peur. Quand je suis en bande avec mes potes, je me sens plus fort même pour la tote. On vit ensemble et en patrouille, on devient les rois de la débrouille. On construit même nos pilotis, à bout de bras et d'énergie. Ensemble on est mieux, on a du mal à se dire adieu. Les scouts nous portent, nous transportent, nous font danser comme le feu. Ensemble on est mieux, on a du mal à se dire adieu. Les scouts nous portent, nous transportent, nous font danser comme le feu. Viennent les pies et leurs envies d'aventure et de fantaisie. Pour ça on rêve toute l'année. On veut qu'une chose c'est tout changer. Durant le camp on s'ouvre à tout. Une autre culture, un autre chez nous. On vient, on aide si on peut. On échange même avec des vieux. Ensemble on est mieux, on a du mal à se dire adieu. Les scouts nous portent, nous transportent, nous font danser comme le feu. Ensemble on est mieux, on a du mal à se dire adieu. Les scouts nous portent, nous transportent, nous font danser comme le feu. Enfin tu es animateur, du temps, du talent et du cœur. Et tu t'engages bénévolement à transmettre tout ce que t'as dans le sang. Parfois c'est vrai, c'est la galère, mais c'est pas grave, en staff tu gères. Baden Powell est fier de toi, chante avec moi et lève trois doigts. Ensemble on est mieux, on a du mal à se dire adieu. Les scouts nous portent, nous transportent, nous font danser comme le feu. Ensemble on est mieux, on a du mal à se dire adieu. Les scouts nous portent, nous transportent, nous font danser comme le feu. Ensemble on est mieux, on a du mal à se dire adieu.
Les scouts nous portent, nous transportent, nous font danser comme le feu. Ensemble on est mieux, on a du mal à se dire adieu. Les scouts nous portent, nous transportent, nous font danser comme le feu. Darling, how long is your boy? Fissures, les expériences me rassurent. M'ouvrir au monde, passer les murs, rencontrer, vivre l'aventure. Les années passées à grandir m'ont amené prêt pour servir. Les yeux tournés vers l'avenir, un regard vert plein de plaisir. Je prends le relais. Notre histoire s'écrit à plusieurs pour partager toutes nos valeurs. Les rires, l'espoir et les projets font de nous tous une unité. On a négocié des virages, on a avancé sans naufrage. Un seul mot d'ordre, fraternité, pour une terre à partager. Je prends le relais. Des compagnons. Je pose mon sac, je fais silence. Je relis toutes mes actions. À quoi elles servent, vers qui elles vont. Mais tout près au creux de mon cœur, une promesse brille de mille lueurs. Ainsi commence le chemin qui me mènera vers demain. Je prends le relais. Des compagnons. À l'heure de prendre son envol, les souvenirs reprennent la main pour écrire l'histoire un peu folle des hommes et des femmes de demain. Et quand il faudra s'engager avant que nos chemins se séparent, jamais on n'oubliera jamais cette chemise verte et ce foulard. Je prends le relais.
des compagnons. Compagnons.